Je t'écoute, tu m'écoutes. Ouais. Ça, c'est la bande-annonce. Mm-hmm. Est-ce que la série est à l'image de la bande-annonce? Écoute, toi seul sauras me le dire. Toi seul sauras me le dire. Écoute, la bande-annonce, je sais que ça a été un peu la risée sur Internet. Puis, Non? Bon, quelques moqueries. Bon, des moqueries. Des moqueries, c'est mieux. Après, mais c'est en fait, rendu dans les mœurs. Oui, OK, bon. Écoute, mais si on le remet dans le contexte, on n'est pas des gens qui découvriront Internet, là. Okay. C'est pas ça. Okay. Tu sais, quand on regarde les jeunes célébrités, les jeunes adolescents qui viennent vedettes vite, mm-hmm. Des fois, on a peur qu'il ait la grosse tête, t'sais, qui se prennent pour d'autres. Ouais. Il n'y a pas de danger de ça avec toi. Je m'inquiète un peu pour toi. Ben moi, je m'inquiète pour moi-même. Arrête donc. Fait que, ouais, non, mais j'ai toujours eu peur de devenir... Mais comme Miley Cyrus. C'est là. Ça que j'allais dire. Vous êtes sénateur mm-hmm. depuis 1993. Exactement. Il y a eu beaucoup de singeries au Sénat dans les derniers mois. J'ai eu quatre de mes collègues, oui, qui ont allégé. Un qui a démissionné, puis trois autres qu'on a mis suspendus. MacArb, Pamela Wallin, Patrick Brazeau, Mike Duffy. Exactement. Deux journalistes en passant dans ça. Rien à voir.